好，重击！请问这里比少林寺还要多远？少林一共有三十五门，你准备从何方学起？ 弟子知道，但弟子愿创设第三十六。 Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit retour, je vais pas être très long je pense, mais petit retour sur la 36 e chambre de Shaolin de Yuxia Liang, que j'ai eu la chance d'assister encore hein, euh, sur grand écran euh, au cours du fameux festival voilà, Portrait de Hong Kong, actuellement euh, au Forum des Images euh, à Châtelet. Euh, séance un peu particulière, puisque je sortais à peine de mon euphorie et de ma prise d'énergie euh, extraordinaire, en, 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 après la vision donc de, de Police Story de Jackie Chan et du coup j'étais un petit peu j'ai dû enchaîner très très vite avec euh, la 36ème chambre qui s'enchaînait presque dans le, dans le quart d'heure d'après du coup j'ai pas forcément pu lâcher la pression discuter avec les gens j'ai très vite enchaîné j'ai un petit peu regretté j'aurais voulu avoir un petit peu plus de temps pour en parler avec tout le monde et, malheureusement j'ai même pas eu le temps de dire au revoir à qui que ce soit et on a enchaîné très vite avec l'autre film et, euh, et du coup ça m'a un petit peu euh, gâché la vision du film parce que J'étais encore un peu dans l'euphorie de, de Police Story. Cela dit, au fur et à mesure du film, euh, malgré ça, j'ai quand même réussi à me remettre un peu dedans, surtout pendant toutes les séances d'entraînement, puisque La 36 e Chambre de Shaolin est vraiment le plus grand film d'entraînement, euh, probablement de, l'un des plus grands films d'entraînement de tous les temps. Donc, euh, le, c'est vraiment l'apprentissage des arts martiaux du Kung Fu, donc de, de Sandy, interprété par Gordon Liu. Au temple de Shaolin, qui détermine vraiment le film et qui raconte en fait l'histoire finalement d'une 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 comment dire d'un d'un rite initiatique. En fait, c'est vraiment un, un rite initiatique. C'est un passage euh, à l'âge adulte pour le personnage, ce qui est très souvent le cas dans les films d'art martiaux. Hein. C'est souvent quelqu'un très souvent l'histoire d'un jeune freluquet, comme ça pas très très fort qui va à un moment donné pour affronter ses ennemis euh, s'endurcir, apprendre le kung-fu et devenir un maître pour pouvoir ensuite euh, vaincre ses ennemis et ensuite devenir en fait adulte c'est vraiment systématiquement le film de kung fu du rite initiatique c'est pour ça que ça a autant de succès c'est pour ça que c'est aussi vu et c'est pour ça que c'est aussi à la fois simple et universel dans son propos c'est que c'est souvent ça mais là ce qui est très intéressant dans la 36e chambre justement c'est que ce, 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 ce rite initiatique dure quasiment tout le film c'est vraiment euh, le, le le cœur du film d'ailleurs c'est vraiment l'entraînement le, le, est au milieu du film et il déborde entre la fin du, du premier acte et le début du troisième acte il y a vraiment quelque chose de, comme ça ou vraiment Lu Yang qui a on a fait déjà une émission avec Beau Parleur sur Lu Xiaoyang, qui lui est consacrée, je vous invite à la réécouter euh, c'est quelqu'un qui vient du monde des arts martiaux et qui veut exprimer à l'écran une certaine pureté des arts martiaux les échanges euh, il va privilégier vraiment les échanges euh, de, sans forcément faire recourir à la au, au, au montage au cadrage ou, ou à la rythmique pour faire du spectacle ça va plus être une recherche finalement euh, d'une espèce de, de démonstration d'arts martiaux purs ce qui va probablement ce qui va énormément être, ce qui va être très différent des, des, des gens qui viennent de l'opéra de Pékin comme Yuen Wu Ping, Jackie Chan, Samo Hung, qui eux ont beaucoup plus privilégié le spectacle pur au détriment des arts martiaux alors que euh, Lu Liang va mettre d'abord les arts martiaux en avant au détriment du spectacle même si les films sont quand même magnifiquement chorégraphié, très spectaculaire. Euh, voilà, c'est l'inverse d'un Tony Liu aussi, par exemple. Tony Liu qui va beaucoup plus privilégier le rythme, la, le spectacle, euh, l'efficacité le, le, et, le, et le divertissement. Lucien le Lion, ça va être une autre approche. Mais c'est pour ça aussi que c'est un des plus grands génies du cinéma martial de tous les temps. C'est parce qu'il insuffle vraiment ce... Ce souffle martial à travers ses films avec euh, voilà le, la tradition, le monde de, des arts martiaux, le, le rapport maître élève, les différents arts martiaux asiatiques entre eux. Il va te traiter de plein 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 de formes comme ça. Et d'ailleurs, c'est un réalisateur qui va rester très traditionnaliste et qui va vraiment briller euh, au moment de l'arrivée de la kung fu comédie jusqu'au début des années 80. C'est-à-dire qu'on va dire de de spiritual boxer aux huit diagrammes de Boulang qui vont vraiment être à peu près dix années comme ça de, de où il va il va enchaîner chef doeuvre sur chef doeuvre et après c'est après la période kung-fu classique film en costume de la Show Brothers son, son incursion dans le film contemporain euh, va être très difficile dans la comédie euh, d'action euh, martiale va être très difficile contrairement à ses à ses confrères euh, Sammo Hung Yuen wu Ping Jackie Chan qui eux vont beaucoup plus euh, être beaucoup plus à l'aise dans le mood contemporain pour le Liang ça va être beaucoup plus compliqué parce que euh, il a vraiment une manière très traditionnelle de voir les choses et il est vraiment plus à l'aise dans le film en costume et dans le film d'arts martiaux plus beaucoup plus pur euh, il va quand même euh, co-réalisé euh, dans code Master 2 avec Jackie Chan, il y aura des problèmes pendant le tournage du coup Liu Young se fera virer mais il va quand même réaliser une bonne partie du film il va réaliser il un code Master 3, je vous en ai parlé de tous ces films là sur ma chaîne aussi qui est aussi totalement raté à, à, à plein d'endroits mais aussi très intéressant à plein d'autres parce que ça reste quand même Liu Young qui est quand même un très grand réalisateur et puis évidemment il va réaliser euh, le, le formidable Tiger on the Beat qui est un buddy movie cop euh, une comédie d'action euh, très sympathique euh, que moi j'aime beaucoup mais qui est pas euh, qui est pas du tout son meilleur film et c'est là on est vraiment dans le Luciano qui fait du divertissement pur et du coup c'est là où il brille un peu moins mais c'est quand même un film très sympa il, il va réaliser ou produire ou écrire ou ou être un peu à la source de plein de films sympas dans les années 80 mais c'est quand même globalement pas sa meilleure décennie et euh, c'est vraiment dans la, la décennie dont je vous ai parlé la, le, la période kung-fu comédie en euh, sachant que c'est pas forcément des comédies un hein, kung-fu comédie c'est un terme qui englobe le côté euh, euh, c'est en fait une, une autre approche euh, de la manière de filmer les arts martiaux en incorporant beaucoup beaucoup d'éléments de l'opéra de pékin ou alors euh, beaucoup de comédies aussi, ou alors euh, voilà une manière très différente de dépeindre le héros martial sur de lui. ça On passe vraiment par un, un héros qui part de, de rien, on parle de l'apprentissage des arts martiaux, on parle de la manière dont, de, on, dont on devient maître, et la difficulté que c'est de devenir un maître, et c'est exactement le propos de la 36 e chambienne. C'est une trilogie. D'ailleurs, le euh, Tchaliang réalisera les trois, le premier pour moi est le meilleur, les deux autres, après, sont des relectures, où d'ailleurs Liu ne joue pas le même personnage, dans le deuxième et il reprend son personnage en étant un peu moins présent dans le troisième. Mais disons que voilà, ce qui est très intéressant pour le premier, c'est le côté vraiment, il met vraiment ce, ce, ce truc important des films d'arts martiaux qui sont vraiment le passage à l'âge adulte et le rythme initiatique qui est là et vraiment mis en avant mais où l'entraînement martial est vraiment mis en avant puisque l'histoire en fait c'est l'histoire d'un jeune freluquet idéaliste qui euh, en fait se fait emporter par la par l'histoire par la grande histoire et qui est obligé de se défendre de survivre dans un monde très difficile, hein, dominé par les Mandchous. Hein, on rappelle les Mandchous de, de la dynastie Qing, la dernière dynastie euh, en Chine, euh, qui ne sont pas des Han et qui sont donc euh, un, un peuple qui vient plutôt du nord. Ce sont plutôt des barbares du nord qui ont adapté qui se sont adaptés un peu aux coutumes chinoises et qui ont copié un peu leurs coutumes, mais qui ce ne sont pas des Han. Et donc, s'il y a tout ce rapport-là euh, aussi, où le, le Mandchou est, est souvent dépeint comme le, le méchant dans les films d'arts martiaux de manière traditionnelle. Donc voilà, euh, c'est un, un jeune freluquet, euh, qui est encore à l'école voilà qui est encore un enseignant qui ne pratique pas forcément les arts martiaux et qui va se faire un petit peu euh, martyriser par la grande histoire par le biais des méchants mandchous et qui va devoir par la force des choses pour survivre et pour euh, en fait s'endurcir avoir la volonté d'aller à Shaolin une école bouddhiste mais qui qui pratique les arts martiaux de manière très 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 puissante hein, qui est un peu le, le cœur des arts martiaux euh, chinois et euh, pour s'endurcir pour euh, endurcir son corps passer par tout un tas d'épreuves donc euh, les fameuses chambres euh, ou plusieurs chambres où on va renforcer l'œil euh, le pouvoir du qigong euh, le, le physique euh, le mental euh, les poignets les, la, la tête les bras tous les, tous les toutes les parties du corps et plein d'éléments comme ça philosophiques etc il va passer par tout un tas d'entraînements de, ultra difficiles où vraiment on souffre avec le avec le héros et, euh, et voilà donc ça parle vraiment de l'apprentissage et ça prend vraiment un temps très très long d'apprentissage de Sandy, et qui ensuite va devenir un maître évidemment et qui va révolutionner un petit peu euh, Shaolin puisqu'il va, il va inventer la 36e chambre de Shaolin qui pour lui est en fait c'est une chambre qui ne se trouve pas à Shaolin c'est une chambre en fait, un peu symbolique qui signifie que c'est le moment, c'est la volonté de, 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 de ce moine, c'est que euh, l'art le, Shaolin soit enseigné aux gens qui ne sont pas croyants. Donc, on considère comme des laïcs et de, on va dire, d'apprendre l'art Shaolin et le Kung Fu Shaolin au, au, voilà, à, à travers la Chine, euh, y compris chez les gens qui ne sont pas bouddhistes, pour bouter l'envahisseur le, manchou. Euh, Hors de Chine et faire tomber cette cette dynastie. Voilà, il y, a, il y a toute une légende après par rapport à Shaolin sur le début des triades, etc. Je vous invite, il y a, il y a plein de d'ouvrages de, qu'on parle très bien de ça. Euh, et il y a aussi plein 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 de de, de fantasmes puisqu'il y a des choses qui sont romancées qui n'ont jamais existé, et des choses qui sont historiques. Voilà, faut vraiment faire la part entre les entre la vérité et les, et les films toujours. Voilà, mais c'est c'est quelque chose d'intéressant. Mais ce qui est moi, ce qui m'intéresse le plus en fait dans celui-là, c'est vraiment encore une fois le côté le rite initiatique, le passage à l'âge adulte. Ou Gordon Liu, le personnage de Gordon New, le personnage de, du moine de Sandy va passer de de, de petit élève froluquet euh, qui ne sait pas se défendre à maître d'arts martiaux qui va recruter à son tour d'autres euh, d'autres euh, mecs qui ont du potentiel mais qui sont pas forcément bons d'arts martiaux va 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 assister va regarder un peu leurs possibilités et va optimiser leurs leurs possibilités euh, martiales donc c'est très intéressant, c'est des films sur voilà le passage à l'âge adulte, le rite initiatique euh, et euh, voilà le, la responsabilité, et tout un tas de thèmes comme ça très intéressant, propre euh, au cinéma de Lu Xia Liang, propre à ces thèmes hein, qui qui sont énormément proches de la tradition, du monde de la tradition chinoise et de la tradition martiale. Et donc voilà, je, je, ça a été quand même une, une belle euh, redécouverte puisque j'ai quand même regardé le film sur un sur un grand écran de cinéma dans une magnifique copie pas très bien traduite d'ailleurs euh, non c'était pas très très bien traduit euh, mais bon c'est 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 pas très grave même s'il y a quand même des choses philosophiques assez intéressantes dans le film qui sont quand même cool à apercevoir ça reste un, un des plus grands classiques du film d'art martiaux de tous les temps même les gens qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup en cinéma de Hong Kong ou en cinéma de Kung Fu euh, connaissent, énormément bien, connaissent énormément le, le film, l'ont vu au moins une fois, c'est vraiment un grand grand classique du cinéma d'art martiaux euh, et donc euh, voilà ça a été une belle découverte euh, avec euh, j'ai prolongé la voilà le, le kiff de, de police Story que j'avais entamé avec mes amis et je, je y a, y a, et après ils sont restés quelques quelques amis notamment euh, euh, Jonathan Voyageur du cinéma, euh, Fabrice, euh, voilà et donc euh, ça a été un, un, quand même un kiff de le revoir sur le grand écran avec euh, avec les poteaux Donc euh, la 36ème chambre de Shaolin, euh, Liu Xia Liang, euh, l'un des plus grands films d'arts martiaux de tous les temps et l'un des plus grands films d'entraînement martial de tous les temps. Et c'est principalement euh, voilà la, la raison pour laquelle on aime ce, ce type de film. Ce sont des, des, des films qui donnent énormément d'énergie. Qui moi, par exemple, quand j'ai découvert le cinéma d'art dans *The m'a donné une énergie. Euh, voilà, c'est vraiment des, des films qui insufflent ça, le, le, le dépassement de soi, le courage, l'honneur, l'héroïsme. On retrouve toujours des thèmes importants de, que moi j'aime beaucoup au cinéma. Et c'est des films qui m'ont aidé aussi à, à, à me dépasser, à, à dépasser mon simple statut de spectateur. C'est vrai que c'est quelque chose dont je parlais beaucoup au début. Quand j'ai ouvert ma chaîne, quand j'ai écrit mon livre et quand j'ai commencé, les films et je, je, je l'explique un peu dans des interviews, dans des interventions que je fais, etc. Le cinéma, ça a d'abord été pour moi une manière de me de, de me dépasser et d'aller conquérir le monde et d'aller explorer le monde et euh, expérimenter le monde. Ça, ça, c'est le moment où j'ai été le plus passif. En cinéma, le plus fétichiste, le, quand je me suis intéressé à la mise en scène, à des trucs en fait très fétichistes, de, voilà, un truc un peu à la François Truffaut, où tu te dis que oui, le cinéma c'est un peu de tout, etc. Non, je pense que c'est l'inverse. Moi, je défends le chemin inverse, c'est-à-dire que ces films héroïques, épiques, où dont certains thèmes sont dépeints comme l'honneur, la bravoure, le dépassement de soi, etc. Tous ces films, plus ou moins bons. Euh, le plus important, le cœur de ces films, c'est vraiment ces thèmes-là, et ce sont des thèmes aussi d'identification, ça permet de s'identifier aussi aux héros. Voilà, le, le, on, je reviens toujours un peu au même truc, mais la, la peinture du héros et l'action des héros dans ce type de film me procure énormément d'énergie et me donne à la fois de l'exemplarité, ça sont à la fois des exemples et des personnages auxquels je peux m'identifier et aussi une envie de dépassement et de bouffer le monde et d'aller et à la conquête du monde et d'expérimenter la vie. Et ça, c'est quelque chose de très important et que je défends et que je vais essayer de redéfendre à chaque fois sur plein de mes vidéos. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié. Alors, non pas que j'ai oublié à l'intérieur de moi, mais que j'ai oublié de vous dire et de vous exprimer. C'est bien gentil de regarder des films, et, mais faut pas fétichiser le cinéma. Selon moi, il, ce sont des, des choses qui doivent nous permettre de nous dépasser et d'aller vers la vie plutôt que de rester simplement passif devant des, des films. Moi, je commence à vieillir. Excusez-moi, hein, je fais une digression, mais c'est après, je vous jure que j'arrête, mais je fais une petite digression par, par rapport à ça parce que ça me semble important et c'est vraiment au cœur de la 36e chambre, c'est le côté, tous ces thèmes que je vous, que je vous ai dit. Le plus important, c'est de ne pas collectionner des visions de films, les, le maximum de films que vous avez vus. Euh, je pense que c'est le souffle que ces films vous procurent, l'énergie que ces films vous procurent, ce qui doit vous aider à vous, à vous élever et à vous dépasser. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je défends sur ma chaîne depuis.. Le, et c'est le plus important. Évidemment, j'aime le cinéma, j'aime la mise en scène, j'aime tout ça. Moi aussi, je fétichise un peu tout ça, évidemment, mais je pense que je ne veux pas que cette fétichisation, cet amour un peu, un peu, un peu fou du cinéma, prenne le pas sur l'énergie et les personnages et l'héroïsme que nous procure ce type de film. Je pense que le plus important c'est ça. C'est le cas de tous les récits euh, depuis euh, les poèmes euh, épiques euh, d'Homère, aux histoires qu'on raconte au coin du feu, aux contes de fées, aux romans, aux, à la peinture, à la, aux, à, la, à la, à la, à la, sculpture, à la, voilà toutes les histoires, les, 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 les religions, les, tout, tout, toute, la manière dont les, dont les hommes se sont racontés des histoires là, ça a vraiment été tout le temps une manière de s'élever et de se grandir. Et je, 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 je à mon tout petit niveau, à mon minuscule niveau, j'essaye d'insuffler ça aux gens. C'est ce qui me paraît le plus important à défendre. Euh, dans ce que je fais et c'est ce qui m'intéresse le plus finalement. Parler de certains films ou non, euh, parler de dire que j'aime ça ou que j'aime pas ça finalement. D'ailleurs, je vous ai remarqué que sur ma chaîne, je parle très rarement des films que je, que je n'aime pas. Je, 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 je ne je parle je parle très rarement des gens que je n'aime pas, des gens qui disent des conneries. J'essaie je, de rester toujours positif, de parler des choses positives, y compris dans des mauvais films. J'essaie toujours de tirer ce qu'il y a de mieux. Dans les films, dans les gens aussi. C'est ce que j'essaie de faire aussi dans la vie. Donc voilà. Excusez-moi pour la digression qui était un peu, un peu, voilà, qui vous semblera peut-être un petit peu hors sujet, mais moi je pense que c'est au cœur de ma chaîne et c'est au cœur de la 36 sixième chambre de Shaolin. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Je continue d'explorer le, le festival hongkongais là, des films hongkongais qui va être euh, génial là. La semaine prochaine il y a le festin chinois rouge de Stanley Kwan, euh, la main de fer, la main de fer gros morceau aussi là la semaine prochaine, donc je vais aller voir tout ça et je vous ferai sûrement un petit retour dessus. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.